il est là. Bonjour. Comme d'hab, hein. Sashibuli Dana. Bon, oui, ça fait longtemps. Est-ce que cette série de vidéos va tenir sur la chaîne? Oui, mais on en reparlera. Il y a une vidéo qui sortira un jour où je ferai le point. En attendant, va jouer à Metroid Dread parce qu'il vient de sortir. Enfin, il est sorti aujourd'hui. Cette nuit. Enfin, hier soir. Mais voilà. J'ai hâte. Les Metroid 2D. Ce que je vais faire. Au secours. Le son est trop fort dans mes oreilles. Mais ce que je vais faire, c'est que tout simplement, je vais vous mettre dans la description une vidéo qui a été faite par Nintendo en fait. Il y a pas longtemps, je crois, hier ou avant-hier. Enfin, au moment où je tourne ça, donc il y a 3 semaines pour vous. Il y a une petite vidéo, voilà, récapitulative de l'histoire, en fait, tout simplement, des Metroid 2D. Et, voilà. Alors moi, Metroid 2D, le seul que j'ai fait, c'est Fusion. Alors, en vrai, j'avais un peu joué à Super Metroid, mais très peu. Donc, en fait, l'histoire des Metroid, moi, à l'époque, en plus, où j'avais fait Metroid Fusion, l'histoire, c'était pas... Voilà. Donc, j'ai fait tous les Prime... J'ai fait Metroid Over M, mais autant les Metroid 2D, voilà, il y a un manque. Donc, on est parti tout simplement pour ce Metroid Dread. J'ai pas trop regardé, j'ai vu la bande-annonce d'annonce qui a été faite. J'ai dû voir peut-être une autre bande-annonce ou deux qui sont passées à droite à gauche, mais globalement je me suis pas spoilé le jeu. J'ai vu très très peu de gameplay. Donc c'est parti, j'ai hâte. Voilà quoi, un Metroid. Metroid. Les Metroid. Virulents organismes volants capables d'absorber l'énergie de leur proie au contact, créés à l'origine par les Shozo, les Metroid tirent leur nom d'un terme Shozo signifiant guerrier ultime. Leur valeur en tant qu'arme biologique ayant provoqué de nombreuses crises, ils ont fait l'objet d'une élimination systématique. L'espèce est aujourd'hui éteinte. Voilà, ça il me semble que c'est dans. Fusion, hein. Ah non, c'est peut-être dans Super Metroid. Je sais plus. Mais bon, voilà. Effectivement, le dernier des Metroid se sacrifie pour sauver Samus. L'organisme parasite gélatineux, jadis endémique de la planète SR388, Parasite X, ça c'est ce qu'il y avait dans Fusion. Ça c'était la saloperie qu'il y avait dans Fusion. Voilà, je me rappelle plus de tout dans Fusion, mais il y avait cette saloperie. Capables d'absorber l'ADN de leur hôte, mort ou vivant, ils pouvaient ensuite répliquer leur forme. L'infection d'un hôte vivant leur permettait même d'accéder à sa mémoire. Dépourvus d'émotions, mais mus par un puissant instinct de préservation et de renforcement de l'espèce, les parasites X se sont propagés à des hôtes de plus en plus forts. Leur capacité à déjouer toute forme de contrôle les a rendus plus dangereux encore que leur unique prédateur, les Metroïdes. Tout comme ces derniers, on suppose leur espèce éteinte. Comment ça on suppose? Les Metroid dans les supposés éteints, aussi. Fais gaffe à ça. Nous, on avait été attrapés, on avait été possédés par cette mélasse qui avait fait une fausse Samus, là. Enfin, une Samus 2. Les Metroid ayant disparu de SR388, la planète se retrouva infestée de X, d'horribles parasites capables de prendre la forme de n'importe quel être vivant. Ignorant ceci, je me suis aventuré sur la planète. J'y ai été infecté et j'ai frôlé la mort. La seule chose qui m'a sauvé fut un vaccin, créé à partir d'ADN de Metroid, qui fait également de moi la seule capable d'affronter les X. J'ai pu mettre cette capacité à l'épreuve immédiatement. Quand je me suis rendu dans une station de recherche des laboratoires spatiaux Biometrics, BSL, pour enquêter sur un signal de détresse. Le tout subordonné, ou je sais plus comment on dit là, par saupoudré, pas du tout. Mais voilà, il y avait la Fédération qui nous avait plus ou moins ordonné de faire ça, je crois. La Fédération Galactique, si j'ai pas de conneries. Là, j'ai affronté de nombreuses formes de X particulièrement redoutables, dont le Sa-X, une copie de moi-même dans ma combinaison de puissance au maximum de ses capacités. Coup dur. Finalement, j'ai éliminé la menace X sur SR388 en déviant la trajectoire de la station de recherche BSL pour qu'elle entre en collision avec la planète.
Simple, non? Après ça, les X et les Metroids n'étaient alors plus que des souvenirs. Du moins, c'est ce que nous croyons. Alors que tout semblait terminé, la Fédération Galactique reçut une mystérieuse transmission vidéo. On pouvait y voir un X vivant, à l'état sauvage. Des analyses poussées ont prouvé que la vidéo était authentique. L'expéditeur était inconnu, mais il aurait pu être déterminé que la transmission provenait d'une certaine planète. Elle avait pour nom ZDR. Si les X avaient réussi à échapper à l'extinction là-bas, ils constitueraient une menace pour toute la galaxie. La Fédération Galactique envoya une équipe de recherche de 7 EMI pour mener l'enquête. Bon, je pense que par simplicité, j'appellerais ça la planète MDR, hein, parce que ZDR, ça risque de partir en bruit. Les EMI ? Ah, c'est ça les EMI ? Ah, super ! Ah oui, d'accord. Ah, mais attends. Déjà, il y a problème, là, du coup. Déjà, il y a une douille, là. Bon, les EMI sont des robots de grande taille conçus pour l'exploration, la capture de spécimens sur zone et l'extraction d'ADN. Ah, mais non, mais d'accord, la douille, oui, ok, la douille, oui, la douille, je la vois peut-être venir. Leur extraordinaire mobilité et leur blindage produit à partir des matériaux les plus solides de l'univers devaient garantir le succès de la mission. Mais peu après leur arrivée sur ZDR, toute communication fut suspendue. Enfin, fut perdue avec eux. Eh oui. Le parasite X a été meilleur qu'eux. Du coup, maintenant, c'est les MX. Que se passe-t-il sur ZDR? La planète est-elle vraiment infestée de X? Comme je suis la seule à être immunisée contre ces parasites, c'est à moi de m'y rendre pour le découvrir. Jusque-là, c'est plutôt logique, oui. Mais du coup, ouais, ils ont été contaminés. Enfin, j'espère, parce que s'ils n'ont pas été contaminés, c'est... coup dur, quand même. Non, en fait, ils font leur job normalement. C'est mieux, c'est une espèce dont il faut collecter l'ADN. Vous occupez pas de ça. Nous allons bientôt pénétrer dans l'atmosphère de ZDR. La récompense pour cette mission ne semble pas être appropriée. Le risque est clairement plus grand que la rétribution. Entrez dans l'atmosphère dans tes moins 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Cet ascenseur mène dans les entrailles d'une vaste terrestre. Le signal sera sûrement de faible qualité et la communication difficile. Essaie de te connecter au réseau de la structure que tu auras dans le fond pour que tu sois en contact. Les objectifs, jeune dame. Thank you.
Ok, ben voilà, on est parti, ça y est. Alors, B pour sauter. Ok. D'accord, donc uppercut avec Y, avec X. Et je tire avec avec Y. Ok. Bon, par contre, du coup, alors j'ai des missiles, comment je les utilise ? Pour viser ça, ouais. Ah, ça va être chiant. Si c'est sur le bouton, ouais. Mon bouton R ne marche pas. mon bouton R a le Joy-Con drift. Ça c'est le problème. Mais bon, ça, je vais changer de manette d'ici peu, donc bon voilà. Donc là en fait, il faudrait que je fasse ça quoi. Comme ça, je suis bien. Ah mais du coup, je peux. Ah ouais. Ah oui, d'accord. Et eux, c'était la vie. Tout en inclinant L pour courir, appuyez sur ZL pour faire une glissade. Non mais, ah oui, ZL. Ah oui, maintenez L pour passer en mode... Oui. D'accord. Donc, on n'a pas eu vraiment de nerf au début du jeu. Étrangement. Bah. D'accord. Ah, c'est peut-être pour me donner de la vie à l'infini contre ce mob. Visiblement non. Comment je fais des wall jump? Oui, alors oui, non mais il faut que je vise, oui. Hein? Ah mais oui, bien sûr, oui. Non mais au secours. Ok. Alors du coup c'est quoi? On est dans des ruines Chozo, non? C'est pas ça le délire? Ça me pense un peu à, au Prime 2 je crois. Ce type de visage là. Qu'on le voyait dans le trailer. Alors maintenez R pour armer vos missiles et appuyez sur Y pour tirer. Certains blocs ne peuvent être détruits qu'avec des armes spécifiques. Donc là je maintiens R. Enfin j'essaye. Un jour le jeu y voudra peut-être. Voilà. Ah, on a fait peur à des dinosaures. Certains blocs destructibles sont cachés si vous êtes dans une impasse. Tirez autour de vous. Frapper certains blocs avec des missiles peut révéler comment les détruire. Ah d'accord. Et c'est revenu ça. La douille. Ah mais je pouvais... Attendez, je pouvais passer depuis le début à d'autres endroits là, en fait. Non mais, s'il te plaît, Seimus, fais un effort. Ah, ça va être pénible. Hein. En vrai, attendez, je vais voir si je peux pas modifier les boutons, s'il n'y a pas un bouton qui sert à rien. À la limite, je peux changer avec la carte. Ah mais non, mais ZR, ça sert à rien. Est-ce que ZR, ça sert à rien, ou est-ce que ZR, on m'a pas dit à quoi ça servait? Je peux pas les modifier? Attendez, non, c'est une blague. Ah non, j'ai pas le droit. Ah bah, je suis baisé. À moins que je reconfigure ma touche R en touche ZR et ma touche ZR en touche R. Superbe. Mais... Quel enfer. Bon. On va se débrouiller. On va se débrouiller avec ça. Pas grave. Je peux pas aller là? Je peux pas rentrer en boule? Ah ouais, elle wall jump. Ok. Bon, en vrai, allons là.
Non mais non, j'avais dit que je voulais voir la porte. Ah non, 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 ok. Bon, celle-là, c'est une douille. C'est chiant. J'ai plus de doigts après, moi. Je fais comment? Ah, c'était des dégâts. Ça l'a pris. Il m'a pas rendu de la vie, mais c'est pas grave. Tu as pu accéder à une station de réseau. Bon travail, Samus. J'ai passé en revue des signes vitaux et ton historique vidéo à partir des données que tu as envoyées. J'ai effectué une analyse complète. Je ne peux pas déterminer pourquoi tu as perdu connaissance, mais les résultats indiquent des changements physiologiques considérables dans ton organisme. La cause de ces changements semble t'avoir privé de la plupart de tes capacités. C'est ce que l'on pourrait appeler une amnésie physique. Yes. Ce qui me conduit à ton assaillant. Je suis en train de comparer ton historique vidéo avec la base de données de la Fédération. Il semble qu'il s'agissait d'un Chozo. Mais son identité n'est pas encore connue. J'ai pu déduire que tu te trouves quelque part dans les profondeurs de ZDR. Ta priorité absolue doit être de regagner ton vaisseau à la surface. La situation est délicate. Fais confiance à ton instinct en faisant route vers le haut. Fais confiance à ton... Non, ça c'est une connerie. Mais ça me fait marrer comme j'ai l'impression que très souvent la mission principale de Samus, c'est retrouver son vaisseau. Cette planète semble être divisée en... Toujours un peu le but final. Là, c'est le but d'emblée, quoi. Les ascenseurs et d'autres modes de transport les relient entre elles. Reste à l'affût de moyens de regagner la surface. L'emplacement de ton vaisseau est indiqué sur ta carte globale. Regarde par toi-même. Tu pourrais te retrouver dans des poches de basse température. Ton ADN métroïde te rend vulnérable à de tels environnements. Passer trop de temps dans des zones froides te sera nocif. Le sous-sol est jalonné de nombreuses zones froides. N'y entre pas avec ta combinaison de puissance de base. Une dernière chose, des interférences souterraines empêchent les transmissions radio. Contacte-moi à l'aide des stations de réseau que tu trouveras en chemin. Non mais de toute façon, j'ai pas besoin d'aller dans les souterrains, vu que mon but c'est d'aller vers le haut, regagner mon vaisseau. Donc tout va bien. Oui, on va sauvegarder. Évidemment. Tintintintin. Plus oui pour la carte, moins pour les options. Ah, la carte globale, il est où mon vaisseau? Ah oui, il est tout en haut, ok, voilà, super. Oui. D'accord. Bon. Ah ouais, saloperie. Donc ça, même avec le missile, ça s'ouvre pas. Hein. Non. La réponse est... Utiliser une frappe de riposte au bon moment pour parer certaines attaques et viser automatiquement l'assaillant... Viser automatiquement... Ah d'accord. Appuyez sur X automatiquement pour riposter. Enfin maintenant, pardon. Pardon. Mais attendez, on est... C'est moi ou on est méga large? Non. Ah si. D'accord. Oh non mais je vais taper tout le temps en fait. Vaincre un ennemi après l'avoir étourdi par une paire. Ah ça permet d'avoir plus d'objets. Ah ouais voilà le jus d'orange. Oui bon là c'est décevant parce que je l'ai pas assommé. Vas-y attaque moi. Non mais comme ça vraiment. Ouais bon. Là y'a rien. Ouais. Ah bah non. Je me suis gouré dans les boutons. Yes.
Mais non, mais... Quel enfer. Appuyez sur X en courant pour effectuer une puissante frappe en course, qui, contrairement aux frappes de riposte, inflige des dégâts aux ennemis. D'accord. D'accord, ça, ça fait... Ok, ok. Ok. Ouais, bon, le jeu a été généreux en santé. Oh mais, mon tard. Ah, il y avait un... Hein? Allô? Si une zone de la carte clignote, cela indique qu'un objet y est caché. Ah, là. Réserve de missiles obtenue. Capacité augmentée de 2 missiles. Incroyable. Et comment je remonte là? Je suis condamné. Je suis sûr qu'il y a des trucs. Ah! Ah, mais ça, c'est la scène du trailer, ça. Ça, je reconnais. L'attaque d'un ennemi peut être contrée en appuyant sur X au moment exact du flash. Toutefois, le timing est si serré qu'il est quasiment impossible d'y parvenir. Ah oui, d'accord, on peut glisser sous l'ennemi, ok. Ouais. Bah on va courir, hein. On est couché. On a dit. L'énergie de l'unité centrale a transformé votre canon en canon Oméga. Des charges Oméga opérationnelles. Maintenez L pour passer en mode visée. Ah oui, visée en inclinant L, si une cible est proche, la muse se tourne automatiquement dans sa direction. Maintenez R pour accumuler de l'énergie, putain de merde. Une fois la charge terminée, appuyez sur Y tout en maintenant R pour tirer, viser le centre. Ah mais, donc là, ouais, non, mais il va falloir définitivement une manette pour jouer à ce jeu. C'est terrible, ma manette de Switch ne peut pas jouer à ce jeu. Bah oui, il faut que je vise le centre. Mais non, mais j'appuie. Ok. Ah bah je sens que ça va être des grands moments, ça. Maintenez L pour passer en mode visée. Visée en inclinant L, si une cible est proche. Oui. Ah oui, du coup. Oh non. Ah bah ouais, mais... Oh. Ok. Ah mais du coup ça le fait automatiquement, oui. Non mais ouais, mais comment je fais? Bon. Bon bah attendre, hein. En espérant que la touche me lâche pas. Ah c'est long par contre. Galère à monter ou comment ça se passe? Qu'est-ce qui se passe? Il vient pas.
Bah oui. Raté. Non mais oui, mais c'est en fait c'est pas ça qu'il faut que je fasse. Moi je pensais qu'il du coup il fallait que je le bourre. Bon, y a l'air d'avoir une zone où je peux appuyer. Je crois. Mais non. D'accord, ça lui fait rien. Confirmed, ça lui fait rien. Ok. Ok, ok. Hein? Quoi, mais ça l'a pas fait? Raté. Ah ouais, non, mais en fait, c'est pas ce flash-là, du coup. Non, mais... comment je fais? Attendez, qu'est-ce qu'il faut que je fasse du coup? Bon, je vais remettre la cam, hein, d'ailleurs. Ah, moi, ce que. Bah, non, c'est pas par là. Donc, il faut que j'aille là. Bon. Allez, salut, hein. Mais non, mais putain! Ouais, bon, bah... D'accord. D'accord. J'essaie de comprendre comment on contrôle Amy, mais... c'est compliqué, quoi. Vous en conviendrez, c'est compliqué. Non, mais... En fait, ce qui m'énerve, c'est que du coup, je peux pas faire exactement ce que je veux, quoi. Je me sens pas libre de ce que je veux faire parce que à cause de ce bouton R là. Non, mais attendez, on va faire un truc. Voilà, c'est bon. Donc maintenant, c'est ZR. Là, ça va mieux marcher. Bon, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Ouais, il fallait faire un headshot en fait. Ok. Ouais, bon voilà. En fait, il fallait viser quoi. En fait, ouais, voilà. En fait, c'était simple quoi. Comment ça? Canon Omega épuisé, déconnecté, retour au canon ordinaire. Comme ça. Belle récompense, hein. Belle récompense. Super. Non mais c'est bon là. Bon. Ah oui, non mais du coup... Ah ouais. Ah ouais, là on va pouvoir jouer, c'est bon, ça y est. C'est bon, j'ai fini de me plaindre de la manette. Ah mais j'ai jamais remis la cam. Oui, on sauvegarde. Évidemment. Ok. Bon bah, pour l'instant on va essayer de continuer, on va pas trop regarder la map. On va pas s'encombrer avec ça. Oh, quel plaisir! Quel plaisir! En vrai, c'est... Ça fait du bien, hein. Ça fait plaisir. De retrouver du Metroidvania, là. Enfin, du Metroid, du coup. Tout court. Ok. J'ai changé la zone. Je reconnais ça, c'est Nier Automata. On va aller dans une ville bizarre, là. Franchement, pour être dans une ville bizarre, ça me choquerait pas. Hein. D'accord, nouvelle zone. Paf, nouvelle zone. Ah oui, j'ai pas regardé, mais là, du coup, ça brillait. Donc, ça veut dire qu'il y a un secret ici encore. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Unité centrale. D'accord. Unité de recharge de munitions. Mais du coup, on peut les détruire, en fait, les Amy. Ça se fait. Ah non mais, non, Samus ne sait pas nager, non. Ah, oh, j'ai condamné la zone pour moi. Quel enfer. Mais c'était mon seul moyen de passer là, ok. Bon. Ok. Euh...
Bah ouais, mais... Oui, bon, d'accord. Ok, il me faut le double saut. C'est quoi ça, là? Pourquoi il y a un truc ici, là? C'est quand même bizarre, cette salle. Il y a quand même un truc méga... Oh! Une réserve de missiles, ça, je crois. Ah non, hein! Ah non, lui, c'est un vrai, lui! Non, mais là, j'ai plus la frappe Oméga, là, c'est pas du jeu! Connard! Connerie! Connerie! Ah, ah bah super, il a vite trouvé un chemin. Il a vite su s'adapter. Je suis passé par le bas, hein. Aucune idée. Pire idée. Ah, je pouvais passer, c'est bon. Ah. Trop stylé. En tout cas, elles sont bizarres, ces portes, par contre. Ah. Bon, il faut que j'arrive plus vite que ça, je pense. C'est mon bête, en tout cas. Alors que des espèces de dinosaures et deux missiles de plus. Ouais, bon, c'est ça. Alors, j'étais un sac à merde sur Fusion, hein. J'avais pris énormément de coups. Je m'en rappelle, je galérais sur une phase du jeu. Mais j'avais fait le jeu il y a très longtemps. Genre il y a bien 15 ans, quoi. Tu as rencontré tentait clairement de te capturer. Il est possible qu'ils aient été piratés. Si tel est le cas, on peut raisonnablement en déduire que tous les ennemis seront hostiles. Ouais. Les ennemis émettent des pulsations pour détecter les vibrations de l'air dans un certain rayon. En d'autres termes, ils peuvent t'entendre. C'est cool. Quand un ennemi détecte des vibrations, il entre en mode de surveillance pour trouver leur source. Reste hors de sa ligne de mire lorsque cela se produit. Dans le cas contraire, tu t'exposes à un grave danger. Ouais. Si un ennemi te repère, il te prendra en chasse. Ouais. Un élément du protocole de poursuite est de sceller les sorties de la zone ennemie. Tu seras piégé à l'intérieur. Oh bah yes. Pour survivre, tu devras quitter son champ de détection. Si tu échappes à l'ennemi, il cessera la poursuite et les sorties seront décelées. Un ennemi ne quitte jamais la zone qui lui est assignée. Son système de contrôle ne lui permet d'être opérationnel que dans ce périmètre. C'est un peu con, ça. En cas de capture par un ennemi, enfin, je sais pas. La probabilité de ta mort est de 99%. Ça va, il reste 1%. Il existe une infime possibilité de fuite. Mais mettre à profit cet intervalle est virtuellement impossible. Ah. Les ennemis sont insensibles à tes armes actuelles. Tu ne disposes pas de l'énergie singulière qui t'a permis de vaincre le premier ennemi. La seule option qui s'offre à toi consiste à éviter de te faire capturer et à trouver une sortie. Oui. Dans les zones ennemies, ta priorité absolue doit être la survie. D'accord. D'accord, d'accord. Oui, non, mais on va continuer, parce que je sais pas du tout combien de temps ça fait pour vous. Ok, une porte du dragon. Une porte qui me trigger. Et une vraie porte que je peux ouvrir. Ok, oui. Oui, je sais, il faudrait que je vise. Ce serait beaucoup plus simple. Mais ce serait pas drôle. Mais non, mais tout ça pour ça! Ah, moi, ce que... Non, je peux pas glisser dans les airs. Non, je peux pas. Définitivement. Tant pis. Ah. Ça, c'est une zone ennemie, ça.
D'accord. Mais comment ça se passe? Est-ce qu'à chaque fois ça va être... Parce qu'ils en ont envoyé combien? 7 ou 9 je crois. Je sais plus si c'est 7 ou c'est 9. Mais est-ce qu'ils vont être scénarisés à chaque fois ou... Ou est-ce qu'il va falloir que genre je les vois, je les repère et que eux ils me repèrent pas? Est-ce que c'est un jeu d'infiltration ou pas? Ah ouais. Ouais, mais... Je sais comment là. Je crois que je comprends comment il y a moyen de le bait, mais je suis pas sûr. Bon, pour l'instant, on va fuir. Hein. On va se contenter de fuir. Hein ? Il y a un moyen, là. Là, il y avait... D'accord. Bon, j'ai plus ou moins quitté une zone de danger pour en retrouver une autre, je crois. Non. Sors de là. On va détruire toutes les saloperies marines là. Ok. Et ça c'est quoi? C'est un truc pour missile ça? Ah mais je peux pas y accéder. D'accord. Dans tous les cas il faudra que je vienne d'en haut. Donc je puisse faire des jumps dans... Enfin des glissades dans les airs. Peut-être le pouvoir que je vais débloquer là hein. Ah non ça c'est une sauvegarde ça. Ça je reconnais. Bon let's go. Il y a beaucoup de sauvegardes. Ouais. Après ouais ceci dit c'est un jeu qui se veut portable aussi. Donc c'est pas illogique non plus. Puis bon, de toute façon, si c'est pour se faire, pour risquer de se faire one shot dans les phases avec les ennemis. Non mais ils sont plus résistants que je pensais. Mais non, 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 je voulais. Je voulais aller en haut. On va les laisser tranquilles. Hein. Ok. Bon, j'ai fait un truc. Non, mais... Ouais, si. Ça leur a fait du dégât, ouais. Bon. Ah mais du coup oui je peux passer là. Nice. Avec des effigies Chozo. Ah ça c'est une frappe Oméga ça. Ou pas? Non pas du tout. Absolument pas. C'est la map. C'est la map. Mais il y a plein de points. Il y a trop de points. Carte de la zone téléchargée. Oui. Sur la carte, les salles colorées en jaune sont des stations de sauvegarde. Les salles colorées en violet abritent des infrastructures de transport. Il y aura un métro, c'est comme Hollow Knight. Oh, en vrai, hein, c'est l'inverse, hein, mais bon. Originellement.
Non mais faut pas que j'oublie que j'ai un counter en fait. Ouais non je suis pas allé là. Donc fouillons hein. Pour l'instant ne cherchons pas voilà, avançons. Et ensuite on verra, quand on saura plus où aller on regardera la map. Là pour l'instant je vois que je suis pas allé, j'y vais. Voilà. Voilà. Ah mais oui c'est là où je voulais aller en plus. Non je sais plus. Si sûrement. Ah ouais mais ouais ouais bon bah toujours le même problème quoi. Ah ouais mais ouais. Ah ouais mais non. Parce que là il aurait fallu que je saute de l'autre côté. Et là ça aurait été un bon move. Et donc tout... Ah les ennemis ont rip-up. Aïe. Bah oui non mais si je reste dans lui forcément ça ne peut que mal se terminer. Les métroïdes sont des organismes artificiels créés par les Chozo pour éliminer les X. Ah, dans le lore, c'est... les métroïdes ont été créés pour détruire les X. Non mais... Tout ça parce que je refuse de viser. Hein. Quand même beau. Hein. Eh mais attendez. Ah, là non plus, je suis pas allé. Ouais non 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 c'est ça, ça pue la zone Amy ça. Bon les Amy c'est bien gentil mais voilà. Mais vraiment. Voilà. Oui du coup. Oui je peux sauter à tout moment, donc là je peux sauter. Ah mais je suis baisé. D'accord. Bon bah au moins on sait. Au moins maintenant on sait. Ah on peut tirer. Pendant qu'on glisse, on peut tirer. Allez, let's go. Ah oui, c'est un ennemi. Je sais pas pourquoi, je j'ai pas identifié. D'accord. Oh non. Bah d'entrée de jeu, hein. En fait, j'évite de sauter dans ces moments-là. Pour. Ok. Pour profiter au mieux de pas faire de bruit. Enfin, j'essaye de pas faire de bruit au maximum, quoi. Y a pas moyen, là ? Allez, un dash. Un double saut. Rien. Non, ça c'est pour les ressources. Donc rien. Concrètement rien. Mais non, mais oh, oh. Ah. J'aime bien l'animation de Samus en mode elle se penche et tout. Il y a moyen qu'on ait la visée au, la frappe Omega tout le temps en fait, je me dis. Ce serait vraiment pas mal en termes de changement de gameplay en mode tu vises avec elle et tout. D'ailleurs c'est peut-être un test pour Metroid... Non. Non, ça me paraît très chaud que ce soit un test pour Metroid Prime 4. Mais bon, je sais pas. Parce qu'il y a le système de visée qu'il faudra repenser aussi, dans ce jeu. Enfin, repenser. Oui et non. Ouais non, en fait non. Je pensais aux versions Wii, mais en vrai... Si ça, ça marche. Eh hey, mais... Non mais... Non mais... Fais quelque chose de ta vie, Samus. Du coup, ça marchait. C'est beau. Oh! La statue Chozo. Donne! À boule, la boule! Rayon de charge obtenu. Appuyez sur R. Concentre l'énergie du rayon pour tirer un tir puissant. Maintenez Y pour charger, puis relâchez pour tirer. Tir chargé inflige des dégâts aux ennemis insensibles aux rayons normaux, comme les robots et les boss. Donc les robots et les boss, c'est insensible aux rayons normaux, ça c'est acté. Ils peuvent aussi servir à ouvrir les portes rayons de charge. De plus,
Samus peut réaliser une attaque chargée en effectuant un salto lorsque le rayon est complètement chargé. D'accord. Ah ouais. Ah oui, d'accord. Effectue un salto. Ah ouais, ça s'ouvre avec les... Ah ouais, oh trop bien. Et là, un boss. Non, pas du tout. Et quelque part, en fait, le rayon chargé, c'est le rayon du contre. Ouais, bon, il a l'air puissant. Ça a l'air puissant. Hop, on va là. Non. Saloperie. Une réserve d'énergie. Oh oui. Capacité d'énergie augmentée de 100. Et hop, la barre. Hop, la jolie barre. Ah, mais là, on connaît ici. Je sais pas comment ça se fait, mais on connaît. Non, je n'ai pas de double saut. Donc j'arrête d'essayer de faire un double saut que je n'ai pas. Ah si, j'y suis passé, mais il n'y avait pas d'ennemis. Je crois. En tout cas, pas autant. Ça ne parle pas. Ah ouais, non mais... Oh, c'est trop agréable. Hein. En vrai, c'est vraiment trop agréable. J'aime trop. Je joue comme un sac, certes, mais j'aime trop. J'aime ça. C'est au-dessus. On va essayer de récupérer le secret. Ah mais je peux pas. Mais attendez, mais comment je retourne là, moi? Il y a moyen, il y a forcément moyen. Ah ouais, mais non, mais c'est là, c'était là où il y avait le Emmy Rebelle. Auquel on a arraché les ailes. Du coup, là, il n'y a rien. Je sais pas pourquoi là. Y a une espèce de trappe là. J'ai trop envie de l'ouvrir moi. Non mais du coup on peut pas. Enfin on peut pas. En fait je peux pas y aller tant que j'ai pas la boule magique quoi. Quand je pourrais me mettre en bouboule, ça ira mieux. Mais bon. En vrai on devrait s'arrêter. Hein. En vrai la vérité. La vérité on devrait s'arrêter. Non mais. Mais bon. On va continuer encore un petit peu. Allez. Hein. Allez. Hein. Voilà. Voilà ça qu'on voulait voir. Non mais on va s'arrêter après cette phase avec l'ennemi de mort. Parce que j'avais déjà oublié que les phases avec Amy, elles vont me stresser, je sens. Putain, la mise en scène et tout, là. Hein. Petite mise en scène, hein. Ah, je suis pas yimbe, hein. Ah, je vais me faire tartiner. Oh oh. Au secours. Sorti cet enfer. Hein. Je sais pas du tout si je passe au bon endroit, mais je suis sorti quoi. Il y avait un truc là. Ah ouais, là je peux passer maintenant. Yes. Ouais, plus de missiles. Bon ça, c'est vrai que j'ai pas essayé, mais voilà. Les portes missiles, c'est des portes avec l'espèce de rond rouge là. Et les portes oranges, c'est les portes rayons chargés. Oh,
Oh là là. Oh non, mais le contre, il est tellement agréable à placer par contre. C'est insane. C'est trop fluide et tout, c'est trop bien. J'aime trop. Ah, vraiment? D'accord. Stylé. Ah oui, bonjour. Aïe. Mais il me fait des feintes. Il me fait des feintes, ce petit bâtard, là. Voilà, tiens, chais. Ok, ok, je m'en vais. Je m'en vais, j'ai compris. Donc, pas ici, pas le feu. Pas ici, pas le feu. Pas ici. Non, si, ici, on peut, parce que ça va. Zone de sauvegarde. Ok. On avait dit qu'on s'arrêtait, hein. Et la cam. On avait dit qu'il y avait une cam à la base. C'est vrai que ça fait longtemps que j'ai pas mis la cam aussi. Enfin, oui. Oui, au moment où vous voyez ça, oui. Ok. Bon, j'ai toujours pas les portes du dash, là. Ah, je peux éclater les bulles d'araignée, là. Les saloperies, là. Voilà, cher. En vrai, j'aimerais bien avoir une petite amélioration, là. Un petit truc qui fasse rêver. Voilà, le flux de carburant thermique a été... Non, ça, c'est de la merde. Non, c'est bien, mais... Ça me permet d'aller plus loin. Ah ! Attendez, il y avait une porte comme ça avant... Ah mais elle est trop loin. Bon. Mais du coup ça m'a débloqué toutes les portes comme ça ou pas? C'est ça la vraie question. En vrai c'est ça la vraie question. En tout cas ça a ouvert cette porte. Moi qui pensais que ça allait effacer les zones de feu. Aïe. Ah bah tiens. Mais non mais... Mais je crois qu'il y a... Ah mais oui, ça a ouvert toutes les portes. Ouais, donc oui, confirmed. Confirmed, ça a ouvert toutes les portes. Trop bien. Ah mais... Combien? Mais non, mais du coup, ok. Non. Ok. Et c'est quoi ça, cette main? Ah oui, c'est la porte thermique. Objet 17% déjà. D'accord. Ah. Ah par contre cette porte là, non. Cette porte là, c'est non. Bon Adam, j'ai besoin de toi là, j'ai besoin de ton aide. Envoie les données. La base de données de la Fédération ne contient aucune trace de ton assaillant. Cependant, il y est fait mention d'une tribu de guerriers de Chozo. Il est très possible que les deux soient connectés. Au vu de tout ce que je trouve au niveau des statues et effigies Chozo, je pense. L'architecture et les artefacts voilà. De la tribu de guerriers sur cette planète. Voilà. Tout indique que c'était une de leurs colonies. Mais pourquoi quelqu'un te guiderait ici et enverrait les émites pour chasser? Il se peut que les images du parasitique s'étaient mises en scène pour t'attirer. La situation reste floue, mais ta priorité n'a pas changé. Tu dois regagner le vaisseau. Oui, non mais, enfin... Là, il dit ça, mais ceci dit, les ennemis, s'ils me prennent en assaillant... Genre, c'est quoi? C'est le Chozo, il leur a fait, vas-y, je vous... Il les a piratés et... Activer le système d'alimentation. Ouais, ça me paraît bizarre quand même, hein, mais bon. Bah bon. À nouveau opérationnel. Cherche-les pour avancer. D'accord, oui. De chercher oui. L'énergie singulière que tu as utilisée contre le premier ennemi. C'est ton seul moyen de leur tenir tête. Oui. Malheureusement, cette énergie est limitée. Tu as peut-être remarqué qu'elle se dissipe après la destruction d'un ennemi. Il y a encore 6 ennemis qui cherchent à t'attraper. Voilà. Tu n'as aucun moyen de les affronter. Souviens-t'en. Est-ce qu'on peut en avoir plusieurs qui vont arriver en même temps?
Ce serait quand même la grosse dinguerie, ça. Ah. Ah, et la porte s'ouvre. Mais mes ressources sont déjà au maximum. Ok. Donc on va pouvoir retourner en zone Emmy. Très bien. C'est très bien. Bah écoutez, on va s'arrêter là. Unité de recharge d'énergie. Ouais, bon, après, il y a plein de trucs parce qu'il faudra qu'on réexplore la map. Plus en détail. Emmy restant, voilà, 6 sur 7. On voit un objectif. J'imagine qu'on aura d'autres trucs qui vont s'afficher dans l'interface au fur et à mesure, peut-être. Après, si ça se trouve, c'est les objets de la zone. Hein. Ça se trouve, c'est les objets en Artaria qui est la première zone du jeu. Donc, bon, voilà. Bon. On verra bien. En tout cas, c'est sympa. Moi, j'aime beaucoup. En vrai, je trouve ça très sympa. C'est très agréable à jouer. On se retrouve bientôt pour la suite, du coup, de Metroid Dread. Voilà. Prenez soin de vous. C'était Blue. Bye bye.